Bonsoir, ici Paul Arcan. Bienvenue à cette émission spéciale. Accommodement raisonnable ou pas, c'est la question clé de cette grande enquête sur ce que pensent les Québécois sur cette notion de tolérance, cette grande enquête pour le compte de TVA, le Journal de Montréal et 98.5 FM. C'est la question majeure. Pourquoi? Parce que vous le savez, depuis maintenant quelques mois, voire même, on pourrait dire des années, les tribunaux et les organismes publics sont appelés à trancher ces questions, à recevoir des demandes d'accommodement pour des questions religieuses ou encore culturelles. Et à chaque fois, les décisions soulèvent des passions, comme on a pu le voir d'ailleurs avec les résultats des questions que nous avons posées et qui ont été rendues publiques cette semaine dans le cadre du sondage. Donc, ce soir, nous aurons la réponse des Québécois sur la notion d'accommodement raisonnable. Et nous allons débattre de cette question avec un panel, les membres que je vous présente à l'instant. Tout d'abord, le panel religieux avec l'imam Saïd Jaziri, le cardinal Jean-Claude Turcotte et le rabbin Zouché Silberstein. Nous avons aussi notre table laïque avec Denise Bombardier, maître Julius Gray et Richard Martineau. Et puis finalement, le panel politique avec Mario Dumont, chef de l'Action démocratique du Québec, Jacques Dupuis, vice-premier ministre du Québec, et Camille Bouchard, député du Parti québécois. Donc, ce panel va commenter, va débattre des résultats de ce sondage. Et aussi, Paul Larocque, tout au cours de la soirée, sera dans la salle avec des gens, Paul, qui ont des opinions tranchées et qui sont de toute tendance. Oui, bonsoir, Paul. Bonsoir, madame, messieurs. En effet, il n'y a pas personne, vous le savez, qui ne s'est pas senti à la maison touché directement, personnellement, par ce grand débat. Donc, vous l'avez dit, Paul, autour de moi, des femmes et des hommes qui ont beaucoup de choses à dire, qui viennent de divers horizons, qui ont divers points de vue également. L'idée est simple, Paul, c'est qu'enfin, ensemble, on est... une bonne discussion de famille ce soir. Et puis, nous aurons également un volet très pratique. La journaliste Julie Marcoux a passé une semaine voilée dans différents coins du Québec pour aller sur le terrain, tester réellement ce que ça veut dire, accommodement raisonnable. Donc, elle a fait des demandes et vous verrez les réponses qu'elle a obtenues. Elle sera avec nous un peu plus tard dans l'émission. Mais ce qui est le plus important, c'est bien sûr la réponse que vous attendez à la question des accommodements raisonnables. Jean-Marc Léger, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Jean-Marc, quelle était la question et surtout, quelle est la réponse des Québécois? Oui, oui, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là de sondeur. Je ne pense pas qu'un sondage ait eu autant d'impact que le sondage qui a été publié cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on interrogeait d'abord 1000 Québécois, ça se fait régulièrement, mais aussi des membres des communautés culturelles. Donc, 1228 membres des communautés culturelles ont répondu à nos questions franchement et directement. Donc, on a un certain nombre d'informations qu'on va vous livrer aujourd'hui sur leurs émotions, leurs perceptions. Tout au long de la semaine, on a dévoilé des résultats du sondage. Ce soir, c'est l'élément central, les accommodements raisonnables. Comment les Québécois perçoivent ça? En réalité, il y a deux choix. Est-ce que tous les immigrants doivent respecter les lois et les règlements au Québec, même si cela veut dire que ça s'en va à l'encontre de certaines pratiques religieuses et culturelles? Ou la deuxième option, il faut faire des accommodements, justement, pour ces pratiques religieuses et culturelles. Donc, voici les résultats du sondage en primeur ce soir. Il y a un tableau qui est derrière nous. C'est l'ensemble du Québec qui s'est exprimé sur cette question-là des accommodements raisonnables. Donc, respecter les lois, si on résume la question, respecter les lois et règlements du Québec, 83 % des Québécois ont préféré cette option-là, alors qu'adopter des accommodements, 12 % seulement ont accepté cette deuxième option-là et 5 % ne savent pas. Donc, il y a quand même un résultat assez massif, assez clair aux accommodements raisonnables. Mais plus que ça, on a interrogé également donc les communautés culturelles à cette même question. Et la réponse est sensiblement la même, c'est-à-dire que la majorité est très claire. Respecter les lois et règlements du Québec, 74 % ou adopter des accommodements pour les pratiques religieuses, 19 % et 7 % ont une autre opinion. Donc, au-delà des mots et de la sémantique derrière ça, la majorité des Québécois et des membres des communautés culturelles, toute génération, de toute origine ethnique, sont contre les accommodements raisonnables. Ça veut dire, Jean-Marc, là, c'est une réponse très claire. On ne peut pas dire que les Québécois sont divisés, partagés, hésitent, ne savent pas. La réponse, elle est là, limpide. Exactement. À travers le Québec, les gens clairement s'opposent aux accommodements raisonnables. Bon, alors on va aller chercher tout de suite les premières réactions. Denise Bombardier, un premier commentaire. Eh bien, moi, je trouve que les Québécois sont extrêmement raisonnables et ils l'ont exprimé à travers ce sondage. Vous savez, les Québécois ont remporté deux grandes victoires de la modernité dont on doit être fier. C'est la séparation d'Église et de l'État. C'est au fond l'avènement de la laïcité de l'État québécois, et nous sommes partis d'un peu plus loin que d'autres sociétés. On l'a fait plus rapidement, d'ailleurs. Et également, l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, toutes ces demandes, la plupart de ce qu'on appelle ces accommodements raisonnables, la plupart des demandes
repose sur une négation de la laïcité de l'État et sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. On y reviendra au cours voilà. de l'émission. Alors donc, nous sommes raisonnables. Très bien. Iman Jaziri. Oui, ce sondage-là, on est pour. La communauté musulmane respecte la loi. On doit respecter la loi. On est pour la loi. Mais la loi nous permet, la charte canadienne nous permet que la femme musulmane porte le voile, que les musulmans pratiquent leur religion. Avant de venir ici, on ne nous a pas demandé de quitter la religion pour respecter la loi. Non, la loi, elle est faite qu'elle protège la personne dans ses convictions religieuses. On la respecte, c'est normal. Et on Mais veut... les Québécois vous disent qu'ils ne sont pas très portés sur les accommodements. Il faut, si on dit une pratique religieuse qui va à l'encontre de la loi, c'est normal, il faut respecter la loi. On est pour ça. La loi, elle est... Et les règlements. Et les lois et les règlements, c'est normal. Je peux vous dire une chose. La dernière fois, quand la justice elle a donné droit au CIR de porter le kirpan, c'est la justice. Parfait. Pourquoi on n'a pas accepté? Nous, on l'a accepté, on était contents. Maître Gray, votre réaction. Mais exactement, il faut respecter la loi, c'est clair. Mais la loi ne s'applique pas de la même façon à tout le monde. On n'exige pas dans notre société une uniformité, un conformisme total. Donc, il est tout à fait possible de trouver des accommodements raisonnables à certaines conditions. Je pense que ça doit être des accommodements pour les individus et non pas pour les groupes. Ça doit être des accommodements qui mènent à l'intégration, mais qui permettent aux gens d'utiliser les institutions publiques plutôt que de se séparer dans les écoles privées, etc. Dans ces circonstances, il n'y a pas de contradiction entre le respect pour la loi et l'accommodement raisonnable. Oui. Cardinal Turcotte. Moi, ce dont les gens me font part souvent, c'est tout en étant ouvert au respect des autres, ils ont l'impression souvent que si on est d'une majorité, on ne jouit pas des mêmes droits que des minorités. Alors, c'est un peu achalant parce que moi, ce que je constate, c'est qu'une situation comme celle-là, à la longue, si on y prend garde, peut créer vraiment de la xénophobie, des choses comme celle-là. Alors, qu'on s'entende pour vous dire quoi, trouver là, que des si on accepte trop de choses? Ben, pas nécessairement, mais qu'il y a des choses qui sont difficilement explicables. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple du kirpan, qui a été reconnu par la loi, comme disait l'imam. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient, en tout cas, que cette chose-là s'est allée trop loin. Parfait. Richard Martineau. Je suis absolument pas surpris de la réponse des communautés culturelles parce que chaque fois que j'écris sur les concessions déraisonnables, c'est mon terme, il y a des membres des communautés culturelles qui m'écrivent, qui viennent me voir en me remerciant, en me disant qu'ils sont d'accord avec moi. Les gens qui sont pour les accommodements déraisonnables, c'est une minorité d'une minorité. Et autre chose que je veux dire, il y a beaucoup de gens cette semaine qui ont critiqué le sondage en disant que ça creusait un fossé entre les gens, les Québécois de souche et la communauté, les communautés culturelles. Je trouve qu'au contraire, ça nous montre, ce sondage-là, ce soir, que nous sommes pareils. Très bien. Monsieur le rabbin Silberstein. J'aurais peut-être mis l'accent qu'on devrait plutôt regarder, au lieu de regarder des lois raisonnables, je crois que, ou des accommodements raisonnables, je crois que si les gens seront raisonnables, il n'y aura aucun problème. C'est dans ce sens-là, je crois que le Québécois, comme tout le monde, veut vivre dans un milieu que tout le monde est raisonnable. Et il me semble que toute personne s'attend que les lois qui évoluent, qui sont faites par nos représentants, soient raisonnables. Très bien. On va aller du côté des politiciens. Mario Dumont, chef d'Action démocratique, votre premier commentaire sur ce résultat. Bien, je trouve ça drôlement rassurant. D'abord, on voit que les Québécois tiennent à des valeurs communes qu'on s'est données, des valeurs communes qu'on a mis au cœur de nos institutions publiques. Et lorsqu'on fait, j'aime bien l'expression de Richard Martineau, concessions déraisonnables, lorsqu'on fait des concessions déraisonnables qui viennent à l'encontre de nos valeurs communes, dont c'est souvent l'égalité entre les hommes et les femmes qui est la valeur la plus souvent heurtée, les Québécois ne sont pas d'accord avec ça. C'est doublement rassurant de se rendre compte que des personnes qui sont issues de communautés culturelles, et j'ai eu encore cette semaine le témoignage d'une femme musulmane dans une ligne ouverte qui disait « J'ai vécu dans un autre pays » où ces valeurs si précieuses que vous avez dans le Québec, on ne les avait pas. Puis je suis venu ici pour rechercher ces valeurs d'égalité, ces valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Et finalement, elle nous disait aux Québécois, ouais, ni plus ni moins, tenez-vous debout, tenez à ces valeurs communes. Alors, c'est rassurant de voir les résultats. Monsieur Dupuis. On ne tombe pas des nues, hein? Le débat n'est pas nouveau. On y a pensé cette semaine, on y a réfléchi. Au gouvernement du Québec, on y réfléchit et on y travaille depuis plusieurs mois. Les Québécois tiennent à être respectés.
dans toutes leurs valeurs fondamentales. Moi, là, je trouve que le débat ce soir s'engage extraordinairement bien parce qu'on y constate que les gens qui sont d'origines diverses sont de la même opinion. C'est la raison pour laquelle ils viennent ici. À l'intérieur de la loi et des règlements, je ferai une réserve. À l'intérieur de la loi et des règlements qui nous régissent, Québécois, francophones, minoritaires en Amérique du Nord, et on tient à ça, à l'intérieur de ça, il y a le respect des autres. Et moi, je pense que le débat s'engage bien. Et ce soir, ça va nous permettre aussi de discuter de cette question du respect des autres, parce qu'il y a le respect des autres dans nos valeurs fondamentales. Monsieur Bouchard, rapidement. Oui, bien, moi, je ne pense pas qu'on doive comparer et confronter le respect des lois et les règlements du Québec avec les désaccommodements raisonnables, parce que, par définition, un accommodement est raisonnable lorsqu'il s'inscrit dans le respect des lois et des règlements du Québec. Si bien que ce n'est pas surprenant que l'on constate qu'une grande majorité des gens veulent d'abord respecter les lois et les règlements, mais si vous leur demandez, oui, mais si on fait des accommodements dans le cadre de ces lois et de ces règlements, en respectant l'esprit de ces lois et ces règlements, je suis persuadé qu'on obtiendrait d'autres résultats et très différents. Très bien. On va aller tout de suite retrouver Paul Larocque. Paul, des réactions de votre côté. Oui, il y en avait beaucoup, Pierre. Paul, lorsque Jean-Marc a donné le résultat ce soir, Linda Talley, entre autres, la chanteuse, vous étiez très heureuse de ce résultat-là. Bien, bonsoir d'abord. Oui, en effet, je trouve ça vraiment très sécurisant et très rassurant comme résultat parce que, personnellement, quand je suis arrivée ici au Québec, quand on a choisi le Québec, c'était parce qu'on se reconnaissait et dans les lois et dans les valeurs et dans la façon de faire et dans la façon de vivre ici. Et je trouve ça rassurant aussi que les réponses par rapport aux communautés culturelles soient de cet ordre-là parce que même proportion, parce que c'est ce qu'il faut réaliser. Entre autres, Fabienne Larouche, vous vous êtes prononcée dès le départ quand le débat était très aigu. Vous n'êtes pas très accommodement raisonnable, vous. Et ce résultat-là? Je pense qu'on a répondu surtout aux symboles religieux parce que, et je pense que ce qui est sain, c'est qu'on est dans une société laïque, ça a pris du temps avant de sortir de la grande noirceur religieuse et on ne va pas retourner là. Alors moi, je trouve ça sain. Locke Merville, chanteur, patriote de l'année également. Locke, le fait que les communautés culturelles pensent à peu près la même chose que l'ensemble des Québécois, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Ben, ça me dit que ce sont des Québécois, tout simplement. J'ai l'impression que la révolution tranquille, elle n'est pas terminée. C'est tout simplement qu'on a d'autres acteurs qui s'y sont rajoutés, qui nous aident à continuer cette révolution-là. J'ai l'impression que, à quelque part, on voit l'avènement de quelque chose. On discute de ces choses-là et je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Merci à vous, Luc. À vous, Paul. Merci. Alors, c'est sûr, évidemment, qu'on a un premier bilan de l'opinion. Mais même si tout le monde semble établir un consensus, il demeure pas moins que les Québécois sont quand même irrités. Ils ont l'impression que parfois, on ne respecte pas leurs valeurs, que parfois, les demandes deviennent déraisonnables et que là, c'est une question juridique. Et souvent, ce qu'on peut voir dans les tribunes téléphoniques, c'est qu'on blâme les politiciens d'avoir pelleté ça dans la cour des tribunaux et de ne pas être capable de prendre leurs responsabilités. On va y revenir tout de suite au retour de la pause, si vous permettez. Et puis, au retour, on aura les premières images de Julie Marcoux, qui est donc allée tester pendant une semaine les accommodements raisonnables. Elle était voilée, elle a fait des demandes et vous verrez les réponses au retour de la pause. L'accès Internet le plus rapide? La question se pose même pas. Comment je vous expliquerais ça? Mettons que c'est comme... C'est pas tout. Il y a des choix, en plus. Internet intermédiaire. Idéal pour toute la famille. Internet haute vitesse. Pour un accès rapide et fiable. Internet haute vitesse extrême. Téléchargement illimité. Et même Internet haute vitesse extrême plus. Puissance extrême pour internautes extrêmes. L'accès Internet Vidéotron, le plus rapide. Point final. Les rideaux s'ouvrent sur une saison de théâtre pour toute la famille. Abonnez-vous. Tous les après-midi, voyez Cinéma Détente dès 13h. À 15h, Entre Chiens et Loups.
À 15h30, le clan Beaulieu. Et à 16h, l'heure du temps. Tous les après-midi dès 13h, on vous offre une pause détente à prise 2. Chez Corbeil, on tombe en amour avec un électro. Ah bon? Tout ce qu'il faut pour les gens qui ont du goût. Avec ma sauce aux framboises. Et maintenant, parlons... d'efficacité. C'est parfait. On aura tout vu chez Corbeil. La vaisselle inox, seulement 299. Ensemble frontal, 799 après remise postale d'Hydro-Québec. Avec un nom comme Corbeil... on peut pas se tromper. Évidemment, c'est vous le spécialiste. Oh, le spécialiste, c'est pour moi. C'est Corbeil. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Tout le monde est en forme à Shopping TVA. L'événement Mise en forme continue. Profitez de nos rabais exceptionnels sur plusieurs exerciceurs et produits minceurs sélectionnés. Les rabais sont en forme cette semaine à Shopping TVA. Chez Cora fête ses 20 ans. TVA et chez Cora vous invitent à redécouvrir le plat spécial Cora, un classique servi plus d'un million de fois depuis l'ouverture. Participez au concours Déjeuner sous le soleil, repérez les indices dans Salut Bonjour et Salut Bonjour Weekend et remplissez votre coupon de participation dans un restaurant chez Cora. 20 personnes déjeuneront à l'hôtel Santana Beach Spa and Casino en République dominicaine grâce à vacances Sunwing. Et plusieurs autres gagneront l'un des prix offerts dans chaque restaurant. Chez Cora a 20 ans et c'est toujours le préféré. Mademoiselle, j'avais... Monsieur, c'est parce que j'avais commandé une brochette. Oui, oui, c'est bien ça. Ah? Chez Scores, les brochettes sont incomparables. Pour ses 10 ans, Scores vous offre ses légendaires brochettes de poulet pour seulement 8,99 $. Et visitez notre délicieux bar à soupe et salade. Crémeuse traditionnelle. À volonté. Sortez vos enfants. La Maison Théâtre vous offre une saison de 11 spectacles pour les enfants de 3 à 17 ans. Abonnez-vous. Alors, je vous rappelle donc le résultat du sondage à cette question sur les accommodements raisonnables. 83% des Québécois donc rejette cette formule et on retrouve donc chez les communautés culturelles ce qu'on appelle l'effet miroir, un pourcentage de 74%. Je me tourne maintenant vers Julie Marcoux. Julie, donc, en quelques mots, parlez-nous de l'expérience que vous avez vécue pendant une semaine. Alors, on s'est promené sur le terrain un peu partout à Montréal, ailleurs également dans la province, voilé pour savoir jusqu'où les Québécois étaient prêts à m'accommoder. Bien. Jean-Marc Léger, on a vu donc la réponse générale. Et là, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui irrite les Québécois dans ces accommodements ou dans ces manifestations qui viennent un peu les perturber. Oui, vous savez, tout au long de la semaine, on a présenté des résultats sur la tolérance, sur le racisme, les accommodements raisonnables, mais aussi d'autres questions qui ont été posées. Par exemple, dans l'actualité, il y a eu la question des ornements religieux ou la question du port du voile. Donc, on a posé des questions à cet égard-là. Par contre, on ne demande pas aux Québécois s'ils sont pour ou contre. C'est pas une question à poser aux Québécois. Ce qu'on pose, c'est une question un peu plus subtile. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le port du voile pose problème dans la société? Donc, il faut faire attention à l'interprétation de cette question-là. C'est une mesure générale sur la perception à l'égard du port du voile. Vous allez voir les résultats qui vont apparaître à l'écran dans quelques minutes sur cette question-là. Donc, le respect des pratiques suivantes au Québec pose-t-il un problème pour vivre en société? Sur le port du voile, 62 % des Québécois dans l'ensemble. Donc, quand on parle des Québécois, ce n'est pas juste les francophones de souche, c'est également les membres de la communauté anglophone ou les membres des autres communautés. Au total, la moyenne, c'est 62 % Le port d'ornements religieux, qu'on parle du kirpan, qu'on parle du turban ou d'autres, c'est à 56 % Et maintenant, si on regarde les communautés culturelles, au niveau des communautés culturelles, à la même question, on obtient sensiblement les mêmes résultats. 57 % pour le oui et 56 % pour le port du voile et 56 % le port d'ornements religieux. Donc, il y a un constat dans ce sondage-là, c'est qu'il y a une cohérence très, très forte entre les perceptions des communautés culturelles et celles de l'ensemble des Québécois. Bon, alors, quand on parle d'ornement religieux, on parle évidemment, bon, vous l'avez dit, de kirpan et de tout autre symbole, peu importe la religion, la réponse est à peu près la même. Alors, Julie, premier test, ça s'est passé où, comment et pourquoi? Alors, on peut le voir, Paul, le voile islamique dérange beaucoup les Québécois. Et là où il y a le plus de discrimination selon les gens des différentes communautés culturelles, c'est lorsqu'ils se cherchent un emploi. Alors, on a voulu jumeler les deux. On s'est cherché différents emplois dans le public en portant le voile. Très bien, on regarde votre reportage. Nous sommes sur la rive sud de Montréal, devant un magasin à grande surface bien connu. J'ai en main mon curriculum vitae, un CV avec de fausses expériences de travail pour évidemment cacher mon identité. Nous rencontrons la personne en charge des ressources humaines,
je porte le hijab. Est-ce que j'aurais le droit, par exemple, de travailler avec le voile? Oh, aucune idée. Ça ne vous est jamais arrivé. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un superviseur à qui je pourrais parler? Parce que si j'ai pas le droit, ben je reviendrai pas, là, tout simplement. Ben je verrais pas pourquoi qu'on refuserait. Là. On est très ouvert. Parler à la personne de ressources humaines, alors ben, je verrais pas pourquoi qu'on refuserait. Alors maintenant, nous allons nous rendre dans un restaurant populaire du centre-ville qui est à la recherche d'une serveuse. Je rencontre le gérant. Le voile ne l'indispose pas, mais impossible de m'accommoder pour ma prière sur l'heure du dîner. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une période de la journée où les serveuses sont trop occupées. Midi et demi, c'est rush en ça, là. À Ville-Saint-Laurent, un commerce de restauration rapide se cherche une caissière. Le propriétaire, plutôt sympathique, a déjà 4 employés musulmanes qui portent le hijab. La raison du voile qu'on a accepté le voile, c'est que c'est pareil comme si tu avais une casquette sans tête. L'entreprise offre même aux musulmanes un uniforme avec des manches longues pour respecter leurs convictions religieuses. Mais par contre, la prière pose problème. Une prière, on ne veut pas commencer ça parce que c'est le bordel. Pour moi, on n'a pas d'espace pour la faire, au départ. Et deuxièmement, c'est pas sécuritaire. Si toi, t'es à terre dans la nuit du restaurant, il va t'arriver quelque chose à un moment donné. C'est finalement ici, dans le quartier Côte-des-Neiges, un des quartiers les plus multiethniques de Montréal, que nous avons été le mieux reçus. Dans ce marché d'alimentation, on accepte le voile islamique et on est même prêt à m'accommoder pour les heures de prière. Moi, le midi, normalement, je dois prier entre midi 30 et 1h30, là, est-ce que c'est possible d'avoir... OK, c'est une heure, autrement dit, de lunch, là. OK. Est-ce que ça vous poserait... Je peux m'arranger, oui. OK, bon, d'accord. Tout est possible. La gérante m'a demandé à la fin de notre rencontre quelles étaient mes disponibilités et quand je serais prête à commencer mon nouveau travail. Bon, très bien. Alors, Julie, on va vous retrouver tantôt. Et après ça, vous êtes allée aussi du côté de Québec. Oui, exactement. Et dans le prochain reportage, on va me voir porter le niqab, alors un voile qui couvre tout le visage, sauf les yeux. Même s'il n'y a pas beaucoup de femmes au Québec qui le portent, on a quand même voulu pousser l'expérience un petit peu plus loin. Bon, alors, participons maintenant à la discussion. Denise Bombardier, j'ai envie de vous demander, quel est l'accommodement raisonnable qui vous dérange le plus? Eh bien, je vous dirais que c'est le voile, je crois. Et enfin, il y en a plusieurs, en fait. Le fait de refuser d'être soigné par un médecin, quand une femme veut être soignée, qu'on refuse qu'un médecin homme la soigne, je trouve ça, ça m'embête. Le voile, ça m'embête parce que c'est un signe d'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais je voudrais revenir sur le sondage et dire une chose. Je crois que, et c'est une chose importante, et je crois que c'est plus grave si on y pense bien, c'est qu'au fond, en étant contre les accommodements raisonnables, les Québécois disent une chose aux tribunaux, qui, eux, décident de ce qu'est un accommodement raisonnable, c'est que la population ne semble pas en accord avec les décisions des tribunaux. Et ça, je pense important. Ce qui est difficile, moi, ce qui mérite, c'est qu'on ne se rend même pas devant les tribunaux. M. Arcand, vous disiez qu'on se rend trop souvent devant les tribunaux. Le problème, c'est qu'un directeur de CLSC prend une décision que les tribunaux n'appuieraient même pas. Prend une décision que les tribunaux n'appuieraient même pas. C'est pour ça que je parle de concession déraisonnable. C'est que si on se rendait devant les tribunaux trancheraient, je crois, en faveur du bon sens. Mais je pense que les tribunaux ont toujours tranché en faveur du bon sens. Et les individus qui font des erreurs, ça arrive partout. Mais je pense qu'il faut faire une distinction. Non, mais maître, prenons les exemples de Mme Bombardier. On a l'impression que les tribunaux, Ce n'est pas le voile comme tel. Un individu adulte a le droit de porter ce que cet individu-là veut dans la rue. On ne peut pas, on est dans une société libérale et démocratique, on peut s'habiller en clown et on a le droit de marcher dans la rue. Dans la rue, on peut s'habiller en hijab, en n'importe quoi. Le problème, c'est l'accommodement dans les institutions publiques. Et moi, je suis tout à fait d'accord que le voile n'est pas acceptable parce que le voile empêche l'intégration. Par contre, un foulard, non. Le voile à l'école, non. Le voile, non. Un foulard, oui. Je pense qu'il faut... Mais prenons les exemples de Mme Bombardier. Prenons juste les exemples de Mme Bombardier. Le fait que, par exemple, une musulmane, et vous me corrigerez, refuse d'être examinée par un médecin... Je suis contre ça. Regardez, je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas dire dans l'islam Je vais vous parler. Je suis spécialiste. Non, je suis spécialiste dans l'islam. Non, pas du tout, parce que l'individu peut dire dans mon islam, je vais vous expliquer. Regardez.
dans mais répondez-moi simplement. Ouais, je vais vous répondre simplement. Nous, on reçoit des appels téléphoniques. On nous dit, c'est quoi dans l'islam? Est-ce qu'on est autorisé d'être soigné par un médecin homme ou pas? Alors, nous, on répondit oui. Et deuxième chose, je n'ai pas peur. C'est la vérité. Je suis là pour dire la vérité. Dans l'islam, dans une urgence, obligatoirement, un homme a le droit. Et c'est obligatoire qu'il soigne une femme. Et une femme peut soigner un homme. On n'a aucun problème. Très bien. On va aller retrouver Paul Larocque, si vous permettez, parce que le docteur Laberge est avec lui. Puis j'aimerais entendre un peu, voir si c'est ça qui se passe dans la vraie vie, Paul. La réalité sur le terrain, docteur Christiane Laberge, donc. Le port du voile. Dans votre pratique à vous, là. La réalité n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire que pour une femme, c'est sûr que j'ai accès plus facilement, mais mes collègues hommes, non. L'acte médical suppose qu'on pose des questions, qu'on ait des réponses, qu'on ait accès au corps pour examiner, qu'on ait une ébauche d'impression diagnostique, un traitement et un suivi. Si, quand je pose la question comme homme, médecin, à madame, et que c'est toujours monsieur qui répond sans même lui interpréter la question, si je n'ai pas accès au corps de madame parce qu'elle porte son niqab et que j'ai mon stéthoscope par-dessus trois couches de vêtements, je ne peux pas avoir accès à un diagnostic clair et un traitement qui est à peu près, puis de là, une possibilité d'erreur. Mais vous, est-ce que ça vous est arrivé à vous dans votre pratique? À vous? Moi, ça m'est arrivé d'avoir des réunions de femmes dans des contextes de préconception, conception, etc., où on n'était que des femmes avec une porte qui était givrée et que les femmes, on demande, bien, vous pouvez enlever votre foulard, on est juste entre filles. Non, le foulard est resté vraiment attaché. Moi, j'ai interprété ça comme un geste politique. À la berge à vos côtés, il y a Hajar Ajam, qui est musulmane, une jeune femme dans la vingtaine. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous portez le voile. C'est votre choix. Est-ce qu'on vous impose le port du voile? Est-ce que c'est, je ne sais pas, là, je vais faire l'avocat du diable, c'est votre conjoint, c'est votre père, c'est les hommes autour de vous qui vous imposent, c'est votre choix? Bon, j'ai pas de conjoint, puis mes parents sont divorcés, alors mon père n'habite pas avec nous. Mais on me demande cette question souvent, puis je réponds toujours de la même façon. C'est ma conviction religieuse et c'est le choix que j'ai fait. C'est un choix que je fais. Et ma question, et c'est une question que plusieurs se posent, c'est pourquoi on demande cette question en tant que telle? Pourquoi, en quoi est-ce que ça dérange?